Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Nous même en tant que ministre justice et sécurité publique, nous voyons un signal clair. Pour tout le monde qui est dans l'État, pour nous faire comprendre que l'administration Moïse Joutla n'a pas bâillé qu'un secrétaire d'État, qu'un directeur général, qu'un ministre, qu'un commissaire de police, qu'un commissaire du gouvernement pour approprier de bien monde, ni qui est dans le pays, ni qui est à l'étranger. Signal ça, moi voyel pour tout le monde qui vit dans pays étranger, qui a trimé du, qui a bravé le temps, qui n'en neige, qui a travaillé, puis acheté une portion de terre, puis est capable de construire une maison, et puis un matin, eh bien, vous voyez que vous êtes dépossédé. Il y a pile monde, en pile autorité. Eh bien, qui n'en pratique ça. Pratique ça, c'est une pratique malhonnête que lié. Président Baba, quel monde job? Ou besoin d'un caille, ou besoin d'un terrain? C'est travail, pour acheter terrain, pour capable construire. Tout ça qui pour l'État, il gagne un organe qui est là pour capable administrer. Et, les hommes qui n'ont pas administré pour l'État, il faut qu'on gère bien. Il faut qu'on gagne une bonne gestion. N'en prenne qu'un monde qui vient prendre roue libre, eh bien, sous administration, Moïse Joutlan, pour te faire comprendre que son directeur général, son ministre, eh bien, ou investi de un droit pour capable faire n'importe quoi. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en dans lui, il y a un commissaire du gouvernement, il y a un juge de paix, la police, eh bien, tout le monde est là pour capable traquer le monde, eh bien, qui fait pratique ça. Et de pour nous pratique ça, eh bien, nous même venons tourner un bandit. Eh bien, nous même sous administration, non, pas qu'il a fait ça, pas qu'il a fait bandit, eh bien, tout le monde qui possédait, tout le monde qui propriétaire, eh bien, était tête frette, était calme, ou pas qu'a perdu, eh bien, ça côté investi pour lui, ça côté construit, ça côté acheté. Et c'est un signal que nous voulons voir clairement dans le monde qui enfreint la loi. Et à quelques niveaux que vous appartenez dans la société, à quelques institutions que vous appartenez, à quelques rangs que vous appartenez, et le parquet prêt pour lui appliquer la loi à l'encontre de vous-même dès que vous enfreint la loi. C'est bien malheureux. Nous, le juge de paix entre des lieux, nous constatons que madame n'a fait personnel là-dedans. Nous-mêmes jouons photo mariage qui est dans Kaela et lui ouvert Kaela avec propre clé. Donc tout ça prouve que effectivement que c'est lui-même qui met et propriétaire. Vous comprenez? Et puis c'est moi qui construis Kaela. Il prend le temps qu'il faut pour le construire et puis m'habiter dans Kaela. Si vous êtes un individu, vous avez une discussion, vous avez une discussion, vous avez une autre monde qui vend, vous avez un faux caille. Je suis bien content, je dis à me reprendre le caille là parce que la justice là, je viens de sentir toute justice là régner dans le pays. Parce que là, que Kounia là, ministre là, ouais, ça, c'est pas possible pour mon caille, pour mon affaire, des autres ça. Il vient, il mettait l'ordre, il dit pour madame, pour me reprendre confiance dans le pays d'Haïti tout. Ça fait me reprendre confiance, c'est moi, le ministre justice qui campe avec moi et que tout le monde campe avec moi pour me reprendre caille, moi, ça fait me sentir que me reprendre confiance dans le pays d'Haïti. Moi, avec délégué, nous accompagnons de la police. Nous venons dans la zone. Effectivement, nous procédons à l'arrestation de plusieurs monde dans la zone. Donc, nous finissons, nous continuons le parcours. Nous allons pas qu'à l'autre côté que nous connaissons qu'on a pris le gaz. Nous procédons à l'arrestation de monde. Donc, nous ne connaissons pas une inadvertance. Nous retournons là, nous voyons le monde qui a pris le gaz. Nous arrêtons encore. Donc, la population est tellement contente du travail qu'elle a fait. Donc, c'est eux-mêmes qui signalent nous là. Ils disent que le gaz qui est stocké là.
Donc nous aurons les juges de paix, nous aurons les commissaires gouvernement qui fait la compagnie de juges de paix. Donc nous débarquons là, effectivement nous pétons là, nous venons plus de gaz à là. Nous avons plusieurs 5 gallons, nous avons boum qui est à moitié, nous avons 10 gallons, donc nous avons diesel, nous avons gasoline. Donc nous avons une quantité qui est vraiment imposante. Un nouveau message? Donc, message là, c'est juste... Nous gaz à 20 000 gouttes dans la rue. Oui, eh bien, ça fait nous prendre une décision, ça, moi, avec délégué. Hein. Donc, c'est parce que il y a des gens qui rapportent nous le gaz à 20 000 gouttes. Bon, on est qui même dit nous que l'acheter gaz à 250 $. Et ça fait les descendre et qu'à foyer au pour le talbre à 200 $. Donc, le message que m'a lancé, c'est que nous avons quitté ça. Parce que nous avons marché, nous avons pris et nous avons mis la justice. Je dis, il y a des gens qui sont dans la rue qui disent que nous avons arrêté malheureux. Mais là, je dis que ce n'est pas malheureux. Comme étant donné malheureux, nous jouons dans la rue. Hein? Mais quel que soit le monde nous jouons, qui vend dans le marché informel, là, n'a pas arrêté le tout. Parce que je dis, hein, et l'État nous décide de ne pas prendre. Et ceci, je dis, hein, comme la police, et secrétaire d'État, vice-délégué, arrondissement Bourg-Ouest, commissaire gouvernement, juge, là, nous tous là. Et nous décrétons la permanence. Ça, nous ne pas prendre encore. Et au monde où besoin de faire business, faire légal. De pour entrer dans l'illégal, spécialement dans les affaires de gaz, là, stocker gaz pour nous vendre à 1000 gouttes de gallon. Entre temps, on a ligne, ça, tout le côté, on a passé, puis on a gardé. Gardons des pots là. C'est presque comme dit ça. C'est une coupe de gazoline qui est là, en dedans. Là. Ça, nous pas prendre. Nous disons tout le monde qui est dans le business, ça, retirer pour la donne parce que depuis nous, jeunes, on a arrêté. Sous route nationale numéro 1, hein? Particulièrement dans la zone Bon Repos, c'est là l'hôpital central police nationale d'Haïti a trouvé. Grâce à accompagnement ambassade américain, l'hôpital ça a gain plusieurs équipements qui pourra permettre policiers et employés civils institutions joindre soins santé comme ça doit. Cette structure, je parle de l'hôpital central de la PNH, a bénéficié de l'aide de l'ambassade américaine. Nous parlons de millions de dollars d'équipements, entre autres un laboratoire d'analyse biologique, l'un des plus modernes du pays, une banque de sang, une station d'eau traitée Cooligan. L'INL n'a jamais ménagé son support. Merci à nos amis de la coopération bilatérale américaine. Santa pral renforcer l'autonomie institution de la police là, selon le commandant en chef PNH là, Léon Charles, qui remercie l'administration Moïse et le gouvernement Jout là pour réalisation ça. C'est une option en plus. C'est une garantie de sécurité sociale. Et c'est surtout une preuve de maturité institutionnelle. Mesdames, Messieurs, un hôpital créé pour être au service de la PNH représente une option en plus pour les membres de l'institution chaque fois qu'il est question de partir à la recherche des soins de santé. S'il est vrai que cet hôpital ne pourra à lui seul répondre à tous les besoins en soins de santé des membres de la PNH, nous devons donc continuer à collaborer avec nos partenaires dans le secteur médical. Cependant, et désormais, tout membre de la PNH en quête de soins sanitaires sait qu'il existe un centre hospitalier qui est prêt à l'accueillir à toute heure et en toutes circonstances. Dans cet ordre d'idée, l'impératif sera santé d'abord, formalité administrative ensuite. Ministre Justice et Sécurité publique là, Rockefeller Vincent, a expliqué ensemble service cap disponible dans l'hôpital là. Cet hôpital est équipé pour offrir des services de base comme urgence, traumatologie, chirurgie, médecine interne, obstétrique, gynécologie, pédiatrie, psychiatrie et autres. Il s'agit là d'une prise en charge effective de la vie de chaque agent et de leur famille qui mérite la haute gratitude de l'État. Le gouvernement, par ce geste important, veut traduire son attachement à la vie et à la santé de chaque policier qui expose leur vie pour garantir la nôtre, qui reste sans sommeil pour nous permettre de dormir. En plus matériel qui est déjà disponible dans l'hôpital central PNH là,
Responsable souligné nécessité pour l'hôpital là gagner un système ambulancier yon façon pour permettre travail là plus efficace. Dans la prêter dans air protégé, c'est disposition ça que nous prend jusqu'à nouvel ordre parce que déjà il y a une rencontre qui fait dans plus haut niveau de l'État, le ministre, le premier ministre, le chef de la police, le ministre de la défense, il y a une pile disposition qu'a prend et m'a gardé pour pas parler des dispositions en attendant que toutes mesures ça mette en application. Agent de l'été, dans le site, pour vous. Et si vous voulez nous dans la rue, faire des ordres, informez-nous, n'agissez immédiatement. Est-ce qu'il y a un agent de SAP qui a sécurisé les officiels? Est-ce qu'il y a un agent de SAP qui a sécurisé les officiels? Un agent de SAP, pas un bodyguard. Ni pas la police, c'est la police qui a une mission. Ça. Si un agent a une famille ou bien un ami qui n'a pas la choisi, dit pas le sécuriser, eh bien, je regrette ça pour lui. Ça n'a pas rentré dans la fonction et une fois nous informés, nous avons pris toutes dispositions que ça que a demandé pour nous trancher. Et parce que l'agent, pas qu'agent me soit dit, c'est un site protégé pour lui. Si je me déplace, je vais aller dans le site et le SAM m'a bien agent qui peut aller en renfort pour aller dans le site là, le SAM dans l'opération. Si je me sortir, je vais agent de SAPAVEM ou me connaît, c'est mon opération pour aller. C'est nos missions pour aller. Mais en termes de bodyguard, si je travaille pour un agent BESAP pour bodyguard, je pense que c'est mon premier plan comme directeur général. Et bien, regardez là après, c'est policier qui accompagne. Et depuis monter comme directeur général, moi toujours bien des policiers que la police a affecté avec, qui garantit sécurité. Oui, Joseph, si vous avez un gardien au capitaine de là qui dit que BESAP a son milice qui crée le pouvoir, qui soit répondu? De ça pas qu'à une liste et en aucun cas à qui fait nous d'avoir créé une liste. Nous pas gagné aucune mission politique et que nous gagnons. Nous gagnons mission pour nous protéger l'environnement et c'est ça qu'on a fait. Et bientôt nous allons présenter en l'autre uniforme dans la presse. Parce que nous estimons gagner tractation qu'a fait autour de ça qu'on a la rue. Et le fait que nous avons un uniforme qui a préparé même avec uniforme et l'armée, donc nous avons fait ça ouvrir. Donc ça c'est la première disposition que nous prenons. Deuxième disposition que nous prenons, c'est que nous sommes annoncés là, tout agent de SAPIO, il doit être à l'intérieur de l'air protégé. Pour être déplacé à l'autre, sauf que tu as gagné une ordre d'émission express de l'autorité de Titelio, qui t'a demandé pour ça. Un travail qui commençait avec le ministère de la Défense, qui gagnait en donnant la direction de défense environnementale. Et nous commençons à réfléchir avec le ministre pour qui ça nous a fait et entre l'agence BESAPIO et direction ça. Il y a une réflexion qui a fait plus profonde au niveau de l'État. Donc, je dis, hein, et nous clair sous lit, et nous pas ministre, nous pas l'armée, nous pas la police, nous avons une mission pour nous faire protection environnement et notre travail pour que nous atteignions objectif ça. Dernier la gaille ça qui passait, hein, et à bon repos, en pile monde, te pensé que BESAP te gen rapport avec question. Hein. C'est là moi prouvé par A plus B, pour BESAP déployer un côté, il faut qu'il y ait une autre démission si on n'a pas un air protégé. C'est là prouvé que tout agent nous, il y a une obligation pour être dans air protégé, et agent nous, il n'y a pas de mission pour faire politique. C'est dans le complexe administratif Jérémien, secrétaire d'État pour l'intégration monde handicapé, soit net désir rencontrer dirigeants plusieurs organisations qui défendent droit monde handicapé dans le département Grandens. Puis bon façon yo doué organiser yo sensibilisation sur remontée maladie coronavirus là dans pays a, c'est quelques parmi points qui étaient dans mitan discussion yo. BESAP gagne plusieurs coordinations départementales. Donc, il était important pour nous, pour que nous t'ayons venu dans Grandens, parce que nous faisons plusieurs coordinations déjà. Mais étant donné que le contexte COVID là, est toujours difficile, tout, donc nous pouvons faire des déplacements pour nous être capables de venir faire visite ça. Mais visite, c'est de visite d'évaluation, tout. Parce que justement, il y a un pile d'associations pour les handicapés sous le département. Donc, nous, dans Ville Jérémy, c'est pour nous capables de rencontrer l'association. Mais faites parler avec eux, autant des doléances surtout, parce que c'est ça qui va permettre que nous-mêmes nous soumettons doléances à eux, donc de besoins qui liés avec le bureau, avec le ministère des Affaires sociales, pour qu'ils soient capables de faire prise en charge là. Parce que justement,
coordination, il dépend de BSF, mais il dépend tout de fonctionnement ministère des Affaires sociales et du travail. Mais tu as gagné un deuxième point, tout le monde connaît que je dis à la corona, donc gagné plus cas que le ministère de la Santé publique a pas enregistré. L'important pour nous te parler avec les représentants de l'association, les handicapés autour, pour eux-mêmes être capables de continuer à respecter les mesures d'hygiène et puis le comportement que nous devons gagner pour la question corona, parce que nous-mêmes, jusqu'à présent, nous pouvons enregistrer cas de monde qui handicapé qui testait positif de corona. Donc, dans ce sens, nous devons profiter de ça tout avec justement pour nous discuter sur lien avec eux, pour continuer à faire sensibilisation sur COVID là avec les membres qui sont dans l'association. Coordonnateur département Grand'Anse, bureau secrétaire d'État pour intégration monde handicapé, Général Modeste, pas caché satisfaction pour visite ça qui d'après lui pral porter un élément en plus dans bataille qui était déjà commencé pour intégration monde handicapé dans département. En tant que responsable départemental, nous sentons renforcés parce que les fait déplacement, les venir dans bureau, ça a relevé moral moins d'abord, ainsi que membre bureau, reste membre qui dans bureau. Et puis, association mon handicapé, que nous travaillons étroitement avec eux. Donc déjà, nous gagnons garantie, nous sentons bien accompagnés, parce que le secrétaire d'État a fait déplacement pour le venir juste là, où est son milieu qui est un petit peu reculé. Donc s'il a quitté dans le moment, fait fin d'année, il a quitté la Kaili, avec toute insécurité, où elle brave danger, elle prend route là, il vient joindre nous. Donc je pense que c'est un gros sacrifice et que nous mettons pile valeur sur ça qui fait là. Maintenant, avec conseil, avec stratégie que le bureau secrétaire d'État intégration mon handicapé a mis en place, nous allons redoubler nos efforts pour nous joindre ça, nous chercher qui c'est permettre que mon handicapé joigne une satisfaction par rapport à grief que vous gagnez, et puis permettre que concept inclusion sociale là, intégration sociale là, et puis accessibilité à pour le faire chemin. DCF pour qu'on gagne coordination dans le département NIP, selon Soinette Désir. Mais ça n'a pas empêché de les rencontrer et puis discuter avec les représentants de quelques organisations monde handicapé dans le département ça pour le passage dans le grand pays. Je dis à pas la direction pour éliminer la pauvreté, pour éliminer le grand goût, pour éducation de qualité, pour santé pour tout le monde, pour capable permettre d'équité du genre. Donc, je cite pour la ODD1, ODD2, capable de prendre 17 ODD pour. Je ne peux pas créer assez de richesses pour permettre que les jeunes viennent travailler. Je ne peux pas gagner l'électricité, j'aime d'avoir là. Donc, pour me retourner sur ça que je parle en 2030, là, donc, il faut me sortir de ça, me fait pendant 4 à 5 dernières années. Parce que l'objectif sera 15 ans, 2015-2030. Et de venir par nous, c'est que c'est le monde avec choc Covid là qui estimait que aujourd'hui, il n'y a pas grand chance pour l'objectif que nous avons fixé pour 2030 pour atteindre l'ensemble du monde. Donc, il faut rebattre 4 là. Il faut reset totalement jouette là. Donc, c'est un gros défi ça. Côté que Haïti est censé partir avec 5 années de route. C'est comme si ma cour m'a 42 km. Après 5 premiers kilomètres, je me relaxe, je me dis avant qu'il y ait un mètre qui était au devant. Donc, si je partir avec 5 km de route parce que je n'ai pas couru, je n'ai pas couru, donc il faut être capable d'aller à un rythme qui est plus rapide par rapport à moun qui t'a couru normalement. Même si tu as couru à une vitesse de 15, même puisque je me traîne à 2-3 derrière, donc il faut faire plus que 15 ans pendant les prochaines années. C'est ça le grand défi que vous avez. Et le monde, je vous dis, avec choc ça, l'ensemble des pays, les 193 pays qui signent ça, en pile prend choc ça. Pas des moins des pays les plus avancés. Pour qui ça les États-Unis, je vous dis, à bay moun, $600 américains pour les gens qui ont mis en même si ils pas travaillé. Ils ont assuré un chômage qui a mis en place. Ils ont mis $1,200 américains. Ils ont bâti l'argent. C'est pour empêcher l'effondrement économique. Je veux dire, on n'a pas une capacité ça pour faire nous-mêmes dans le pays d'Haïti. Donc, les 10 prochaines années, il peut être crucial. Sinon, garantie ma bon, c'est qu'en 2030, on va bien plus de monde qu'on gagne en 2020. Si on regarde les tendances, nous passons exactement. Basé de 5 millions de monde à 7 millions, à 10 millions, qu'on y a 12 millions. Donc si tu ne sera là, je connais que je ne peux pas gagner 12 millions de monde en 2030. Mais si quelqu'un a des tendances, croissance économique que nous faisons pendant 10 dernières années, je connais que je vais gagner plus de monde et je vais gagner moins bien avec service. Donc qui bien. Voilà. Merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'entendre.
dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.